Wesh et bienvenue dans un nouvel épisode du Beaujolais Nouveau. Nous parlons aujourd'hui de Wheels of Aurelia, un jeu de Santa Ragione et le studio italien que vous connaissez peut-être pour leur jeu Photonica, Mirror Moon ou le merveilleux Dust Jacket que je vous enjoins à l'essayer tout de suite si vous ne l'avez pas déjà fait. En plus, il est gratos ma gueule. Les décors ont un goût de micro-machine bariolée et l'aspect d'une maquette gorgée de caractères, une carte postale de ce que pouvait être l'Italie à la fin des années 70. Enfin, j'imagine, j'étais pas là. La BO est assez incroyable, le rock très vieux jeu et les ambiances de radio crépitantes. On a au cœur Adriano Celentano en zigant et en zagant entre les voitures, dans une cacophonie de klaxons et de moteurs. Le game design est empli de jolies idées, assez originales dans la rencontre des genres. Son innovation reste humble et mesurée, mais extrêmement pertinente dans le genre qu'on explore ici, qui est donc le roman interactif. Sa durée de vie est assez juste, il a 16 fins, à vous de savoir si vous voulez en faire une ou 16. Dans Wheels of Aurelia, vous conduisez une voiture en discutant au volant avec Olga, que vous avez rencontré en boîte, avec des autostoppeurs, des bandits, des prêtres. Vous discutez de choses et d'autres, du monde qui vous entoure, de la politique, de la vie, de l'amour. Le jeu vous poussant toujours vers l'avant, vous n'explorez donc pas totalement librement la route, mais vos choix narratifs guideront votre façon de conduire. Et c'est là toute la nouveauté du jeu. Choisissez de vous accoquiner avec un bandit, il vous faudra échapper à la police, aider une femme enceinte, et il vous faudra être précautionneux dans la conduite, quelqu'un veut faire la course, vous demande de ramener sa voiture intacte, etc., etc. Alors on conduit, et pour ne pas vous spoiler l'histoire du jeu, qui est un petit peu son cœur, on va parler d'autres choses auxquelles le jeu m'a fait penser. C'est quand même plein de biais la langue, non? Quand j'étais petit, j'appuyais trop sur mon bic, alors quand je tournais la page, il restait sur la suivante des fossés dans lesquels mon stylo s'enfonçait ou se cassait la gueule quand j'essayais d'écrire droit. Ça donnait à mes lettres un aspect un peu biscornu. Plus tard, j'ai appris que les moines copistes du Moyen-Âge avaient un problème assez similaire. Comme ils recyclaient des vieux parchemins en lavant ou en grattant l'encre, il restait souvent des gorges et des sillons dans le papier. On raconte souvent que c'est pour ça que des fois, quand on écrit le G, il a une espèce de zgeg bizarre. Voilà. La langue que vous parlez modèle votre esprit, et en modelant votre parole, elle porte comme les palimpsestes médiévaux ces traces, ces cannelures qui, lorsque vous pensez droit, font dévier la main, font tomber dans des expressions toutes faites, dans des syntaxes qui guident vos mots. Et c'est pour ça que, pour tout le bien que fait l'anglais pour l'uniformisation du monde, la circulation des savoirs, des personnes, des biens, il nous faut chérir les langues, car elles sont le creuset d'où la diversité émerge. Savez-vous qu'en Sicile, dans certains dialectes, il n'existe pas de conjugaison au futur, parce que en fait, les gens avaient juste pas besoin de se projeter dans le futur, ils disaient « je fais ça et demain, mais pas je ferai ça ». Savez-vous qu'il n'est pas rare que les polyglottes aient des personnalités différentes dans les différentes langues qu'ils parlent ? C'est pour ça que c'est important de se frotter à des jeux qui ont vu le jour dans d'autres cultures. Et pourquoi pas de s'y frotter dans des langues qu'on connaît peu ? C'est pour ça qu'il faut s'interroger plus que jamais sur nos voisins, leur poser des questions, et apprendre leur langue car elle sculpte leur façon de penser et nous arme l'esprit en le libérant. C'est pour ça que j'ai aimé vivre dans les années 78 en Italie, le long de la Via Aurelia qui remonte vers la France en compagnie d'inconnus, parlant d'expériences étranges au cœur d'une forme culturelle et linguistique qui m'était étrangère. Quand j'avais 15 ans, quand mon bic s'enfonçait trop dans mon cahier, j'ai découvert ce qui resterait ma devise pour toute ma vie. Ceux qui sont les plus sages sont ceux qui aiment le plus. Alors j'ai appris à aimer les bandits, rencontré le long de l'Aurelia, j'ai appris à aimer l'italien, que je comprends mal, j'ai appris à aimer une période de l'histoire de l'Italie, dont j'ignorais presque tout, et je vous enjoins à aimer aussi les gens, les choses, les cultures, les œuvres et les moments, aimer à tout va et aimer à tour de bras. Alors sans avoir vécu par le menu les histoires de Wheels of Aurelia, vous avez compris cette étrange idée superbement exécutée, regarder serpenter, dériver le paysage autour de soi, presque hypnotique, la main sur le volant, la tête qui vacille. Un fond de rock, sous les crépitements indolents d'une radio et des histoires et des humains. En même temps, c'est tout ce qu'on demande à un jeu, non ?